Amen. Amen. Parce que journée est de pandakaka na tata wana. La journée dépend seulement de lui. Amen. Amen. Ce qui t'osali, ezali kaka grâce ya Nzambe. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Ce qui t'osali, ezali kaka na makasi ya Nzambe. Si nous sommes là, c'est par la yango, force. Tata na biso azwa vraiment le coup parce qu'azali Nzambe. Et que notre frère soit élevé parce qu'il est Dieu. Tika nkolo apambola lesusu mosali na ye oyo aleki kokamba biso lesusu. Que Dieu bénisse l'officiant de ce jour. Nzambe asumba ye lesusu. Et que Dieu le soutienne dans la parce qu'alobi ete oyo kotele maliboso azala kaka kana. Et celui qui va se mettre devant soit seulement un canal. Je sais que je suis un seul canal. Et je veux que Dieu parle à travers cette chose. Qu'il a élevé cet appareil. Bénéficier quelque chose la part de Dieu. Que nous bénéficions quelque chose de la part de Dieu. Comme on l'a parlé, si on vient dans la maison de Dieu. Tel que Salomon a prié Dieu. Il a fait valoriser l'importance de Salomon. Mes prières qui vont sortir de cette prière et sera exaucé. Amen. Amen. Je sais que cette nuit, Dieu, il va nous exaucer. Dans nos prières et tout ce que nous faisons. Dieu est comme notre réponse. Et parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Continuer à la foi passée et Yahweh Azali Elomé. Et que la, notre thème, nous continuons ce thème de la foi passée. La foi passée, passée, la talisa qui biso est un zambé, azali et lombé. Et Dieu est victorieux. Amen. 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 Celui qu'on appelle victorieux, c'est un homme fort. Mutu oyo azali et lombé, azali mutu ya makasi. Un homme qu'on appelle victorieux, c'est un homme fort. Bien aimé et lombé. Un victorieux n'est jamais battu. Amen. Amen. Parce qu'il est un wabundaka. Et lorsqu'il combat, il est un vaincu. Amen. Amen. Parce que maintenant, ce baye bien tes amakas, azamutu ya makas. Mais parce que tout le monde reconnaît qu'il est très fort. Yango yende biso tolingi kolobela au. Et c'est celui-là que on veut parler cet après-midi. Tamu tozalaka na bamboka na biso to yoka kape bato bazalaka bilombe bato makas. Et lorsque nous étions dans nos pays, nous avons entendu des hommes forts. Batuana pe bazalaki kobunda. Et ces gens-là aussi combattaient. Bazalaki kobunda bitumba. Ils combattaient aussi. Amen. Babenga ka bango bilombe. On les appelle les victorieux. Kasi lelo. Aujourd'hui. Batuana makasi yesila. Ces gens-là n'ont plus de la force. Amen. Amen. Makasi na bango yesila. Ils n'ont plus de la force. Balobela ka bango lisusu te. On ne parle plus d'eux. Mais Nzambe oyo biso toza kolobela. C'est Dieu que nous parlons. Azali lelombe ya solo. C'est le véritable victorieux. Balonga ka yete. L'invincable. Bakweisaka yete. On ne fait jamais tomber. Azonga ka pesi mate. Il ne recule jamais. Amen. Amen. Pour de Azali elombe. Parce que c'est un victorieux. Elombe oyo balonga ka yete. Le victorieux. Azali mutu ya makasi. C'est un homme fort. Yango David. Dit, nous allons prendre le livre de David. Psaume 24, qu'est-ce que David dit? Comment est-ce David glorifié? Que le victorieux. Le victorieux. Le une puissance qui ne David a le Psaume 24, verset 8. Et puis Psaume 24, verset 8. Psaume 24, verset 8, je dis au nom de Jésus. Amen. Qui est ce roi de gloire, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Amen. Amen. Nani. Verset 8, oui. Yahweh Azali Elombe Nanguya. Yahweh Elombe Yabitumba. To nani yango mokonzi ya lokumu. Amen. Amen. David Azali Kotuna nani.
ce roi de gloire. Alléluia. Mokonzi alakumu bien-aimé Ezali nani. C'est qui le roi de gloire? Amen. Na temu ya mukala. Dans l'ancien temps. Les gens loués, les gens qui combattaient. Et on voyait que oui, comme il a la force. Mais David dit, le roi de la gloire, c'est Dieu. L'Éternel est fort et puissant. Yahweh est l'homme et bitumba. L'Éternel puissant dans les combats. David azali kolobe te nzambe kaka mutu atonde na nguya. L'Éternel est fort et puissant. Mutu oyo azali elombe katikati na bitumba. C'est lui qui est le victorieux dans un combat. Pwete ayeba ki yango. Il savait cela. Pona nini azali koloba bongo. Pourquoi il dit ça? Bitumba nyoso oyo nzambe kata bunda. Tout combat que Dieu a combattu. Komanda asala mokili. Depuis qu'il a créé le monde. Il a combattu pour nous. Tous ces gens-là que nous lisons dans la Bible. Qui a combattu pour nous. Il était toujours victorieux. Amen. Parce que c'est, il est puissant. L'invincable. Il a de la force. Et chaque fois il démontre sa force. David dit. Il est ce roi de gloire. Alléluia. Mokonzi ya lokumu bien-aimé ezali nani? Qui est ce roi de gloire? Amen. Mokonzi ya lokumu. Bible ezali kolobete. Ezali kaka Nzambe. C'est l'Éternel des armées. Yango mona te David. C'est pour ça David. Ezali kokana ko reconnaître ko pesa Nzambe wana merci. Il a reconnu dire merci à ce Dieu-là. Alléluia. David aza ko reconnaître te esengeli to pesa Nzambe na biso lokumu. Et David a reconnu qu'il faut que parce que y est parce que c'est lui qui est le chef des combats. Alléluia. C'est Dieu seul qui est le chef des combats. Et la Bible nous dit Israël. Il a combattu pour les enfants d'Israël. Les Amalek sont venus combattre Israël. La Bible nous dit Amalek Amalek a voulu combattre l'histoire d'Israël. Mais Israël était que bana ya Nzambe. Israël étant que les enfants de Dieu. Israël étant que libote ya Nzambe. Israël étant que peuple de Dieu. Bakende ki koluka Yahweh Nzambe. Ils sont allés chercher Dieu. Babeli la Dieu Nzambe. Ils ont prié à Dieu. Akita. Puis descend. Aye makosali sabango. Et qu'il les aide. Akende kolongi sabango. Et puis le fait victorieux. Babeli la Dieu Nzambe. Ils ont prié le Dieu. Akita. Descends. Et qu'il vienne en aide. Parce qu'il savait. C'est Dieu qui priait. Il est fort. Il a la puissance. De le faire vainqueur. Et combattre pour lui. Ils ont prié ce Dieu-là. Ils ont demandé le secours à ce Dieu-là. Parce qu'il est un victorieux. Alléluia. Amen. Qui est ce roi de gloire? Nani mokonzi ya lokumu? Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Amen. Na bomoi na biso. Dans nos vies. Kati na église. À l'église. Na ba famille na biso. Dans nos familles. Mokonzi ya lokumu bien-aimé ezali nani? Ce roi de la gloire c'est qui? Kaka Nzambe ye moko. Amen. Yeye mutu ezali na makasi. Lui qui a la puissance. Pwete soki ya telemi. Si ce Dieu-là. Amen. Personne ne peut le faire reculer. Amen. Amen. Si Dieu se tient là, personne ne peut le faire reculer. Exode 17, 15. Exode 17, 15. Exode 17, 15. Exode 17, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 17, 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. 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 Ici je parle Israël. Israël.